Et salut tout le monde. Bon, on se retrouve dans la grande salle où on s'était arrêté hier. Et on va voir où ça va nous mener. Tout ça. Sérieux? Il y a du mobilier que je peux pas péter. Si je peux plus rien casser, je demande un remboursement. Ah, oh, bâtard! Il est venu d'où? Il va arriver. Enfoiré. Ah oui, la soupe. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oh, bien sûr, c'est une petite arme conductrice là. Qu'est-ce qu'il y a? Et il bouge. C'est un coffre ça, non? Sérieux, je vais le péter ça? Tant pis. Regarde un peu plus sur le ciel au-dessus, hein. Ils viennent un peu du plafond, les mecs. Bon bah, au boulot.
les EVJ côté Varush. Du sang. Ah mais... Ouais, on va aller voir la grande salle. Oh, oh, c'est une salle qui est venir. Ils arrivent. Laissez-moi tout casser tranquillement. On n'a rien oublié. Voilà. Voilà, une chose de fait. Ils s'en vont. Mais viens avec vous.
Ok. Thank you.
Je suis moi-même. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est quelqu'un qui se fait torturer, je crois. Que c'est. Ok. Alors. Bon, sa régénération de... pour les relais. Ok. S'en fout. Peu de mets sont plus appréciés dans le royaume que l'élan des fourrés rôtis. Il y a longtemps, l'élan des fourrés pouvait être trouvé dans la nature et faisait l'objet de grandes chasses. Nos ancêtres les cuisinaient fréquemment lors de plus somptueux festivals. Aujourd'hui, seuls les favoris du roi peuvent participer à la chasse, mais l'élan des fourrés rôtis reste la pièce maîtresse des festins de Fae. Cette recette vous permettra de faire revivre les saveurs des banquets d'antan. Remarque. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de viande dans cette recette, mais elle a été spécifiquement élaborée pour complimenter le goût unique de l'élan des fourrés. Un élan des fourrés entier, 3 tasses de racines de 5 en poudre, 2 piments de slita émincés, 2 gousses de fèves cendres. Dressez la carcasse à l'ancienne en l'emplaçant sur
En plaçant des côtes en couronne autour des morceaux les plus épais, préparez une marinade, de préférence de base de racines de zinc et de piment de slita. Mais vous pouvez utiliser d'autres épices si vous le désirez. Laissez tremper la viande pendant 2 nuits complètes. Alors que la chair est encore juteuse, fumez-la à la broche pendant toute une matinée, puis faites-la dorer sur le feu pendant 1 heure avant de servir. Servez sur un lit de gousses, de fèves cendres, accompagné d'hydromel. Fromage de Skitara. Il n'y a rien de mieux pour clôturer un festin qu'une meule de fromage délicieusement visqueuse et odorante, juste comme Mère Grand savait les faire. Commencez avec une jatte de lait de l'arnep frais, laissez-le à l'air libre jusqu'à ce que la crème se soit séparée du petit lait. Égouttez le lait caillé et formez des boules de la taille d'un poing. Puis passez-le au soleil jusqu'à ce qu'une croûte se forme. Une fois que la croûte est bien sèche, découpez le haut de chaque boule et placez-les à nouveau à l'intérieur, à un endroit où les mouches pourront les trouver. Ah ouais. Ces derniers vont déposer leurs œufs dans le cœur tendre et crémeux, puis les larves se frayeront un chemin dans le fromage, digérant sa graisse jusqu'à former une texture douce et liquide. Ça donne envie. Au bout de 2 levées du soleil, replacez le chapeau de croûte au sommet de chaque boule et servez les meules de fromage avec une miche de pain légèrement rassis et une boisson forte. Ah, gâteau de sang. De tous les desserts des royaumes, aucun n'est aussi moelleux, délicieux et facile à faire que le gâteau de sang de Xaravo. Une recette idéale pour petits et grands. Une tasse de sucre de Ravedan, une demi-tasse de beurre de Skitara, 4 œufs de faucon de Jubé, 2 cuillères d'extrait de frêne, une demi-tasse de poudre de céréales, une tasse de sang de Nara de préférence, mais n'importe quel animal fera l'affaire. Mélangez ensemble tous les ingrédients, à terminer par les œufs en les incorporant un par un. Fouettez jusqu'à ce que la pâte soit lisse et d'une belle couleur violette homogène. Faites cuire pendant 30 à 40 minutes et voilà. Pour un dessert encore plus gourmand, attendez que le gâteau ait refroidi et recouvrez-le d'une épaisse couche de glaçage. Il crie derrière. Glaçage de la viande à la viande. Ce glaçage salé peut être servi seul ou en accompagnement de nombreux plats. Dégustez-le avec du pain, une côte d'élan de fourré, ou même sur votre dessert préféré. 4 cuillères de pâte de collagène, une tasse de bouillon de viande, 2 cuillères de jus de viande, une tasse de lait de l'arpenage, l'arnep, une pincée de sel. Faites chauffer le bouillon avec une casserole, puis réduisez la pâte de collagène en poudre et versez-la dans le bouillon frémissant. Baissez le feu et fouettez le mélange jusqu'à ce que la pâte soit incorporée. Ajoutez le reste des ingrédients, mélangez bien et laissez refroidir. Le glaçage doit prendre une consistance sirupeuse. Versez sans attendre sur l'aliment de votre choix. Il m'invite pas pour manger. Non, ça fait pas rêver. Il y a quelqu'un qui crie, je veux pas rentrer dans cette putain de pièce. Là, c'est d'où on vient. Et le monte charge, il va pas me. Et ben. Oh, le monte charge, il va. Vu qu'on a appelé l'escalier, il est pas là, le monte charge. Est-ce qu'il faut que je monte le monte charge pour que le mec croit qu'il y a le monte charge, alors qu'il sort pour penser qu'on est en train de lui livrer de la bouffe? Allons voir ça. Monte charge, je crois que c'est par là. Merde, super. Non, c'est pas par là. Je vais couper le micro, désolé. Bon, vas-y, il est où ce foutu mon Serge? J'ai pas tourné 12 ans.
J'ai trouvé les deux secondes et là je sens plus. Ouais, je crois qu'il est là, ouais. Ah. Ouais, comme on avait vidé, on n'avait pas fait cette porte. Et alors ? Ouais, mais moi je veux voir le gars dans la cuisine. Non. On va faire ma théorie. Et je monte avec le monte charge. Est-ce que le mec va croire qu'on est en train de lui livrer de la pitance? Ouais, c'est pas par là. Hop. Voilà. Ça a sonné. Et là, le chien. Qu'est-ce qu'ils lui font? Il y a un cop derrière. La porte et ouvrir. Non. Je tire. Non, ça va pas l'exciter, il s'en fout. Il est dans sa truc, son plaisir. Il s'en fout de la tortue de que je suis là. Ouais. Ah, ça fait chier. Mais y'a rien, j'ai plus de tour, y'a rien. Bon bah, à plus tard le chien. Je suis revenu. Ah oui, je suis revenu au début. Médaille en blason. Là, tiens. Hop là. Là, je vais aller en banquer en bas. Il y a un coffre en plus. Ah bah. Attends, tu permets, je fais le tour, j'arrive. Je casse tout et j'arrive. Je casse tout. Apparemment, j'ai pas de droit. Ok. Et mon charge, à mon avis, il y a du monde qui va arriver par là, je pense.
Alors, tu m'as bien vu tout péter. Ils aiment bien tout ce qui est moisi en fait. Manger ? Oui. Qu'est-ce qui va ? Oh, c'est quoi cette barre fin dévorante ? Hein ? Je suis en train de me faire. En train de me faire bouffer. M'auto-ingère. Soigne-toi là, arrête de chipoter là. Ah non, il veut pas. Moi je vais prendre. Putain. Mais c'est quoi ce merdier? J'ai même pas pu me soigner une seule fois là. C'est quoi ce bordel? Le chien là, il sert à rien. Il peut pas encore me raise lui. Sérieusement. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai contre ces merdes de... C'est pas une malédiction. Augmente l'expérience obtenue 15% durant ce... Ouais, allez. Ouais, ça, de toute façon, on s'en fout de ça. C'est la putréfaction. Je crois pas que c'est de la putréfaction. Malédiction. F. On va mettre à place de ça. Et ça. On va mettre à place des bandages. J'ai la consommation d'énergie. Dure 60 secondes. Augmente le vol de vie des attaques au corps à corps à distance de 3. Augmente les dégâts subis. On va regarder. C'est quoi? Augmente l'expérience pour en prendre un. Corrosion. Puissance des modes. Bah voilà, hein. De toute façon je peux rien faire d'autre. Donc retournons-y. Ah, je suis vert. Monte ta gueule. Délicieux, n'est-ce pas? Je dois préparer un programme pour festoyer. Vite. Ce goal. T'as un goal, mec? Je sais pas gagner. Ah bah si, je veux péter des trucs, c'est faux. Tu fermes? Ah, je vais comme chez moi. Tu permets. Ça a l'air moins pourri ça. Ah, où est-ce que je dois choisir un des trois membres? Ah, il y a ça. Il y a ça. Bah, tu sais quoi, on a essayé l'autre, on va essayer. Ah, il y a d'autres trucs là-bas là. C'est quoi le truc? Ça a l'air tellement appétissant. Ah, c'est des boules de fromage, je crois. Alors, c'est éternué.
Ah, ben on va essayer cette bonne viande accompagnée de mouches. Eh, ça va être cette fois. Ouais, mais t'as envie de vomir, pourquoi tu manges autant aussi? T'es con. C'est pareil. Allez, allez, on fonce, on fonce. On cherche pas. On va pas les attendre. Où est-ce qu'ils apparaissent? Ouais, y'en a marre. Ah, ils font... Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Rien prendre. Ah tiens, merci. Ah ouais, carrément. Attends, viens ici, viens ici. Désolé, faut que je mange un bout. La faim dévorante. Ils essayent de le tuer. À moi, hop, merci. Avec mes arrières. Allez, dégage. Le roi, j'échappais pas. Le roi doit venir. Faut vous préparer pour son arrivée. Je peux faire à manger là, ça y est? Ah non, les places sont vides. Okay. Alors, monsieur le roi. Oh, je me souviens de vous. Ah bon? Ma mémoire est un peu floue. C'est la première fois que je mange dans tes plats. Avons-nous festoyé ensemble? Ah! Peut-être les réjouissances m'ont-elles ravi ce souvenir. Et en voir cette table, je ne puis plus douter qu'un festin a eu lieu ici. Un festin légendaire, selon toute vraisemblance. Et vous? Notre invité d'honneur. Tenez, vous méritez certainement un cadeau d'adieu. D'adieu, pourquoi? Autre chose à me dire? Ouais, ouais. Au roi Faerin, puisse-t-il vivre éternellement? Par sa... Oui, c'est ça. Vous avez bien entendu. L'ancien roi. Le vrai roi, je ne sais pas, il est parti, mais peu importe. Aujourd'hui, nous festoyons. Loué soit le nouveau roi. Quelle est cette créature exotique que vous avez préparée? Quelle chair succulente! C'est incroyable que nous n'ayons pas eu vent de l'existence de cet animal avant. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais on n'en manque pas par ici. Vous en avez certainement aperçu. Ce gibier vit une existence pitoyable. C'est comme s'il nous suppliait de le dévorer. Ça fait combien de temps que vous avez préparé ce festin? Nous avons œuvré jour et nuit, oui. Mon ami. Jour et nuit. On dirait que ça fait un moment que ce... Le festin n'attend plus que ses invités. Et voyez, les voilà qui arrivent. Certains sont même déjà là. Mangez, mon ami, car le repas est prêt. C'est mon temps, Mexique, comme c'est... bon vous semble. Non, non, j'ai du pain sur la planche. Ouais, ouais. J'ai des questions. Pardonnez-nous, très cher. Nous ne sommes pas encore prêts à recevoir de nouveaux invités. L'ancien roi. Le vrai. Peu importe. Pas ouais, et je dois tout préparer.
T'es dégueulasse. Mange de la merde. Et je te laisse avec ta merde. Alors, c'est quoi qu'il m'a donné? Réduit les dégâts de malus subis 50%, augmente vos dégâts de 25% lorsque vous souffrez d'un malus ou d'une inflexion. Bon, ouais. Vas-y, on va tester son vieux collier dégueulasse. On dirait à... C'est un os de poule pour faire les vœux, là. Bon, ça y ressemble, mais c'est pas de la poule. Allez. Restez à votre place. Non. Ok. Pas le moment de paniquer. Par contre, on n'a toujours pas eu accès à ce foutu coffre. Vers une petite sauvegarde. Et on va redescendre. Ah, ils ont d'avoir le cœur net. Hein, sur la plateforme. Ouais, d'accord. On en est le cœur net. On va pas partir en laissant des trucs derrière. Escalier. Bizarre, y a personne. Ah, j'ai pas regardé le monte charge chez l'autre dégueulasse là-haut là. Peut-être ça va me donner accès à un de ces. Une de ces portes. Mais j'ai pas le temps. Laisse-moi tranquille. J'ai entendu quelqu'un grogner là. Y'a pas le temps, ils sont pas tranquilles.
Ah, j'ai bien fait de revenir. Et voilà, c'est foutu mon charge. Droite, il y avait un coffre, je crois. À ta place. Hey. Hey, merci. You. Oh, ils sont là. Ah, je peux pas les libérer. Rien à faire pour vous, les mecs. Oh, une gueule. Premier du tournoi des délices, conserve, lait de l'Ardep, 3 jarres beurre de Skita, un quart de brique de sang de Nara, une demi petite jarre haricot doré, 3 jarres faillou de pika, 1 jarre haricot cheveux, 3 jarres pois de crocota, 7 petites jarres pois de dragon, 1 jarre essoikine vieux, 1 baril poivron de canyon mariné, 1 demi baril piment de Slita, 1 demi baril. Un demi-baril. De quoi, ça? Mais... aliments séchés, feuilles de soie, un fût de racines skink, 3 ballotins, fèves de cendre, aucune. Ok, sucre de ravedan, 1 jarre extrait de frêne, 1 petite jarre poudre de céréales, 1 demi-baril, pâte de collagène, 1 demi-baril de sel, 4 jarres, viande, salaison et autres. Côte d'élan des fourrés, 1 carré faucon de jubé, 2 volailles œufs de faucon de jubé, 12 côtelettes de âne, 4. Remarque, nous sommes presque à court de nombreux ingrédients, notamment de beurre, la viande et les fèves de cendre. Assurez-vous que le fournisseur ne nous fasse pas faux bon. Ouais, mais il y a que des recettes à la con, je sens que je vous les lise. Avec des recettes. C'est pas de l'histoire, mais de la recette, et eux là, et le pasteur là. Tu veux que je te libère? Ah, je te libère. Rien à faire de toute façon pour eux. Oh, y'a pas de. Ah, ça y est, j'en ai tué un. Eh bah, désolé les gars, je vais vous libérer. Voilà. Vous ne souffrirez plus jamais. Quoi ? Il y en a encore un ? Ah, voilà. C'est bon ? Plus personne n'est dans le mal ? Parfait. Allez, je me casse. On va aller à l'autre. C'était pas une si bonne idée en fait de rester dedans. Oh, trancheur d'os. Bien, changeant comme un rasoir excellent pour séparer les os de la chair. Chargez-la pour la. Oh, quoi? Ok. Ouais, d'accord, je vais faire un bal massue quand même. Il y a ça là. Ça prend trop de vue dans mon dos. Ça...
Alors, on va retourner sur ma bonne vieille massue. Hop, on ouvre ça. Et on se taille. Voilà, on a tout fait. Bon les gars, comme vos amis à côté, je vais vous libérer. De toute façon, je peux pas vous descendre. Désolé, je peux rien faire pour vous, de toute façon je peux pas. Ah non, c'est décroché. Y'a pas de manivelle, y'a rien, donc au moins vous serez en paix. Et mes oreilles avec. Allez, on se taille. J'ai le festoyeur dégueulasse. Ah, j'avais bien vu. C'était bien les monts de charge de dégueulasse man. Ouais, salut. Je te laisse avec tes dégueulasseries. Et on se casse. Ça ou ça. Quartier abandonné. Là-bas, on n'a pas fait, ça c'est l'objectif principal, donc on va aller c'est des trucs oubliés, mais sinon, normalement... Ne laissez pas s'enfuir! Ici, on a plein de trucs à péter. C'est pas dans le vent, hein. C'est ça.
Ouais, on va prendre la porte. Elle est toute pétée. On n'a toujours pas vu la tisse nuit par contre. Des changements climatiques, de la canicule. On est un peu chaud les gens. Le quartier du boucher. Précassage effectué. Une petite sauvegarde. Et on se retrouvera demain ou tout à l'heure. Sûrement tout à l'heure. Hein. En attendant, ciao ciao.